sur des carreaux comme ceci, des 60-60, utiliser un maillet, vraiment ça permet de chasser un petit peu l'air, vraiment de favoriser le transfert de la colle, puis aussi de guider. Voilà, alors c'est volontairement, j'ai pas mis de coup de spatule ici, c'est juste pour vous montrer ce que ça fait si on met pas le coup de spatule, vous voyez, il y a les sillons de la colle qui remontent ici, et puis à la base du croisillon, ça va faire la même chose, vous voyez. Et lorsqu'on va visser, la colle va se mettre dedans, on va visser, 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 ça peut éventuellement abîmer l'émail qui est ici, donc ça c'est vraiment à éviter, c'est pour ça toujours, toujours le coup de spatule entre les carreaux. Bon, là maintenant je vais mettre un coup d'éponge. Ensuite, je vais visser mes têtes. Vous allez entendre, ça fait un léger bruit de frottement. Alors, le plastique est tendre, ça n'abîme pas ce type de carrelage. Par contre, ça peut en abîmer certains, d'où l'utilité du sabot. Vous pouvez aussi utiliser des croisillons en croix, ça permet de vous aligner au niveau des intersections de vos carreaux. Et là, vous le voyez bien dans la vidéo, hein, la régularité au niveau de la colle, c'est hyper important. Et ensuite je mets le coup de spatule au niveau de toutes les périphéries, cela permet d'éviter que la colle remonte lorsque l'on va visser nos têtes.